Des images en direct en provenance du Vatican. Le pape François prononce actuellement sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Comme à l'habitude, il va livrer un tour d'horizon des conflits un peu partout dans le monde. On le voit qu'il a commencé son allocution en direct de la cité du Vatican. Hier soir, durant la messe de Noël, il a longuement parlé de la guerre en Israël. Environ 6500 fidèles ont assisté à la messe à la basilique en présence de responsables religieux et du corps diplomatique. Des centaines d'autres l'ont suivi sur des écrans géants installés à l'extérieur sur la place Saint-Pierre. Durant la prière de l'Angélus en début d'après-midi, le pape François a aussi évoqué le conflit dans la bande de Gaza et celui en Ukraine. Évidemment, plus tard au cours de la matinée, on va analyser ce discours, cette bénédiction Urbi et Orbi avec Alain Pronkins, spécialiste des religions, autour de 7h15 ce matin.